Voilà, je m'appelle Mathieu Haas, j'ai 39 ans, je suis illustrateur, j'habite à Nantes depuis 3 ans. Donc j'ai commencé un peu tout seul, hein. J'ai fait mes armes tout seul. J'ai appris sur le tas puisque c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. Et voilà, petit à petit, j'ai créé mon réseau. Alors ça, c'était à Paris, hein, à l'époque. J'ai créé mon réseau et je suis devenu storyboarder professionnel, designer aussi de personnages, de décors, etc. Et ensuite, je me tourne petit à petit vers l'illustration, ce que je fais plein pot depuis 3 ans à Nantes maintenant. Au départ, j'ai un univers qui est plutôt tourné vers le fantastique, mais ça, c'est quand j'étais plus jeune et c'était vraiment ce qui me plaisait. Aujourd'hui, je cherche plus à parler de la réalité du monde dans lequel on se trouve, grâce à des symboles et grâce à des images fortes. Je me suis dit, comment je peux aider? Qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Ce que je fais de mieux, c'est de dessiner. C'est mon métier, puis c'est ce qui me passionne. Donc je me suis dit, ok, il faut que je trouve une bonne idée de dessin pour soutenir le CHU de Nantes notamment, et tout le personnel soignant nantais. Et donc j'ai commencé par faire juste un portrait d'infirmière, en fait. Et je me suis dit, il faut que je trouve un symbole qui va permettre de porter ces infirmières au nom des Nantais. Et, de manière assez logique, est venu l'éléphant des machines. Il a fallu trouver comment transformer cet éléphant pour que ce rapport de tendresse et de soutien entre l'infirmière et l'éléphant fonctionne parfaitement. Quand j'ai fait cette image, je me suis dit, je l'ai. J'ai quelque chose de fort. En tout cas, ça parle. L'émotion, elle est là. À partir du dessin que j'ai fait, il y a une sculpture qui a été faite, qui fait à peu près 45 cm de haut. Cette sculpture a fait à peu près autant de bien que le dessin original, visiblement, donc c'est chouette. Et récemment, on lui a fait faire un petit voyage à Nantes, c'est-à-dire qu'on l'a amené sur les lieux iconiques de Nantes pendant le voyage à Nantes. On l'a baladé un peu partout et on a pris des photos assez sympas de cette sculpture.